and get some cars. C'est sorti 20 km, c'est sorti 20 km. Qu'est-ce qu'il y a, ça monte? Hein? Oh bon, dis donc! Ah merde, j'ai pas filmé, t'as de la chance! C'est compliqué sans les pédales autour. Dans le sable. T'es là? Ouais. Ça pique un petit peu. Non, ça va. C'est des cailloux, hein, fais gaffe, c'est des racines. Bon, ma femme... Elle est où? Elle décide de prendre la route. Je reviens sur les cales là pour pouvoir rouler en tennis. C'est à ses limites. Hein. C'est vraiment pour se promener et pas attaquer. Ou alors faut renforcer ses pédales auto et les mettre en dur, mais après c'est bien compliqué de les emboîter. Du coup, je vais faire gaffe,
parce qu'en plus ça baisse la garde au sol, donc les cailloux ça les cogne. Merci. Pardon. Pardon. Bon, il n'y a pas de mal. Ah ouais. On peut partager les chemins, non ? Là, il y a réflexion à la con. Ouais. Non, tu montes pas. Oh, je vais pas monter non plus là. Ça va être chiant. Et si ? Putain, ça monte. Bon voilà, 25 km, 20 km ou 25 km. Là on retourne à la voiture. Ah, elle arrive. Ça a été dur, mais elle l'a fait. Hein. Allez, on se joue en bas. Allez, la dernière descente. Franchement, c'était pas simple. Il y avait beaucoup de portées de vélo, donc des chemins que je connaissais pas trop. Elle a suivi, hein. Moi je dis respect. Après, on a pris du plaisir, des jolis paysages comme vous avez pu le voir. Donc, je vous invite à suivre la prochaine vidéo qui sera encore en Bretagne. Je partirai pour 40, mais ça se passera pas comme prévu. Donc, je vous laisserai la parler. Ça, c'est le VTI. Ciao!